Salut, salut! Alors, on se retrouve pour continuer les profondeurs des cavernes avec les ogres et tout ça, les gens. Donc, on avait cette porte. Est-ce que je vais piquer le barrique? Ouais, je vais piquer. Alors, est-ce qu'on a un petit piège? Géant du feu. Facile, immunité au froid. Ok. Oh, 27, c'est vrai que ça tape. Un petit dernier. Ouais, ça suffira pas du coup. Cette note est rédigée dans le style sans défaut d'un script professionnel. La lettre est frappée d'un sceau en forme de tête dragon. Un chef sage sait qu'il y a un temps pour la guerre et un temps pour la soumission et l'alliance avec une puissance supérieure. Le temps des rivalités tribales et des escarmouches parmi les géants est terminé. Le roi Skorg s'est déjà incliné devant ma grandeur et en a récolté les fruits pour son peuple. Je vous demande la même chose. Comme preuve de votre allégeance, j'exige comme tribut des œufs intacts provenant d'une des tanières de dragons vivant dans les montagnes. Si vous acceptez, je vous récompenserai en vous offrant des milliers de pièces d'or pour chaque œuf de dragon que vous remettez dans mon repère. Si vous refusez, je vous anéantirai ainsi que votre tribu. Vous pouvez remettre votre réponse à mon messager qui me la communiquera le plus vite possible. Clotte le Terrible, suzerain des montagnes et seigneur du Nord. Il y en a qui font plus peur que les dragons, on dirait. Et bon, on verra. Moi, je suis prêt à buter n'importe qui. Bon, t'avais quoi comme truc chez toi? Verrouillé. Ok. Combustion. Otano, Fultigama. Otano, Fultigama. Non, je peux perdre le tout. Espérons que le piège ne me fait pas plus de dégâts que tout à l'heure. Ça, c'est pas dit. Quelle rigueur que je peux faire en anticipation. Et refresh le visage spectral qui s'est barré. Voilà. Et pas plus qu'on 11. 0. Bon, nickel. Toi-même.
Il reste pas. Il a même pas mon cac. J'aimerais bien savoir où est-ce qu'ils sont placés dans le niveau d'invocation de créature. S'ils sont avant l'ours ou pas. Combustion. Waouh. Et bah dis donc. Que de super loot. Ah, c'est joli ça déjà. Ah oui, faut pas les identifier. Safe. Ok. Et il nous reste le middle. Il me reste quelques spots, on serait passé, je pense. J'espère. Parce que l'autre côté, je l'ai fait la dernière fois. Ouais. Allez, vas-y, mec. Il y a quoi? Ouais. Ortano, for Digama! Non. Ortano, for Digama! Ortano, for Digama! Yeah! Ça pique. Faut que ton collègue y suive. Verrouillé encore, ah, j'aurais dû faire ça avant. Bon, ça me dessort pour rien là. Merde. Tac. Pou, combien de PO? 670 000 là. Ah, quand je vais vendre mes bijoux, faudrait que je fasse gaffe. Pas grand chose. Ceux qui veulent le plus, j'en ai vraiment pas beaucoup, mis à part les Saphir. Et encore, du coup, je commence à avoir un doute. Parce que Topaz Alexandrine, c'est vraiment de la merde. Après, émeraude, rubis, diamant, déjà, c'est sacrément plus intéressant. Oh. Essaye de forcer la porte. On a vu du monde de l'autre côté, donc hop. Par contre, est-ce que je vais au niveau suivant là? Je suis déjà dans la profondeur et je vois pas d'autre entrée. Et j'ai pas de chef, alors est-ce qu'il est derrière le chef? Chef des gens, ah oui, remarque. Impossible, oh, curieux. Par contre, à la rigueur, oui. Attends, mec. Faut que je mette mon deuxième boubou avant que tu me tapes. Ah, toi aussi tu casses des sorts, vas-y. Pas d'enversement, pas d'enversement, pas d'enversement, pas d'enversement. Je suis mort. Il s'est soigné, ouf. Ortano, for Digama! Ortano, for Digama!
tue mais tu me tues pas. Oh, égalité. Bon, pour un first try c'est un impossible, c'est correct. Bah, je pense que c'est parce qu'il s'est soigné qu'il a pas pu me tuer tout à l'heure. Mince, du coup, oui. Je pense un peu tard. Soleno Samatka, époux. Soleno Samatka, Otano Ortigama. Otano Ortigama. Ça en fait quand même des dégâts. Tu mets trop cher, deux fois tu es d'égalité. Ça vaut pas le coup en fin de compte, ces armures là. Enfin, si ça vaut quand même le coup, mais pas assez. Enfin, c'est des mecs qui tapent très très fort. Parce qu'en fin de compte, on profite pas de. Efficacement, faut un mec qui tape plein de petits coups quoi. Il se prend vachement plus de dégâts que ce qui m'a flégé, je peux rester au claque. Et maintenant tu te tues. Nice. 600 XP. Note. La tête de Jean. Ah ouais, elle prend 6 places au lieu de 4 pour les autres têtes. Alors on va lire ça. Cette lettre a été rédigée d'une écriture malhabile, presque enfantine, et le texte est d'une orthographe approximative. Au vu du sceau médiocre au pied de la page, il est aisé de déduire qu'il s'agit d'une sorte de correspondance officielle du chef des gens des collines. Vos grands maîtres, moi pas vouloir être écrabouillé. Tribut à moi, donner tribut et œufs et tout. Nous vouloir beaucoup de or, géant de feu, dire que vous, bon maître, nous vouloir être amis. Claude, être chef, nous servir. Est-ce que t'as des trésors, mec? Ouais, bah tu vois, j'ai envie de m'éclater, donc... Est-ce que ça passe? Oh merde. Destruction. Je ferai ça pendant des heures. Rien derrière. Bon. Ok, bon, on va voir le dragon, les gars. Donnez ça, et puis prends le but. Ça nous fera 1200 XP pour les deux mecs, parce que je pense que le dragon impossible donne 600 aussi largement. Et puis ça devrait être pas mal déjà. Alors ici j'ai tout fait, hein, c'est ça, ouais. J'espère qu'il n'y a pas de piège qui traîne, que j'ai pas fait, sur lequel je peux passer. Donc je vais passer par ce côté-là, parce que je peux pas passer par l'entrée là-haut. Skill est fort, ce petit dragon, c'est un dragon de glace, donc je pense que le feu ça devrait être easy. J'espère surtout qu'il va me donner là, enfin du moins dans un trésor, hein, désolé que mes potes mercenaires demandent, parce que bon, ça va être tendu. Après, est-ce que l'épine dorsale, garderai sur internet pour avoir le up de tous les objets, surtout l'anneau de l'antan là, qui me régène.
tellement OP cet anneau. Charisme 3, régène 1, rien de mieux pour moi. Ice, êtes-vous de full sort? Est-ce que déjà il est bien agressif? Non. Première vue, non. C'est bien impossible. Et il résiste à l'acide. Ah non, mais lui c'était l'acide. C'était pas le froid. Ok. Ouais. Alors, c'est un honneur pour moi de vous remettre à la tête du géant 750 XP. Nice. Je te remercie de ces généreux présents, puissant Anana. Je crois que je vais y aller. La dragon Vernana tentera certainement de tuer quiconque essaiera d'ouvrir ses portes. Ok. Bah go. Ah, c'était un sort de mort ça je pense. Sur le souffle. Pique le souffle. Pendant qu'il résiste pas mal à la foudre, plus qu'au feu. Son efficace. Bon, s'il veut pas bouger, bon, ça m'arrange. Hein. C'est la fin. Ah non, pas encore. Mince. Oh. Oh, merde. Ah. 600 XP. Dragon vert, ah que la Traxa a été tuée. Et ouais, 600, 600, 750, ça nous fait quoi? 1950 XP pour une quête. Je compte pas les petits sbires à côté. Ça c'est quand même plutôt cool. Risque pas me tuer maintenant. Attention. Revide. Trop long ici. En plus si ça s'est viré. Bol de feu, 1000 PO sans dragon. Ok. T'es beau comme ça.
ouais, c'est pas trop mal fait encore. Moi j'aime bien leur dragon de ce jeu là, je trouve qu'ils sont sympas. Donc j'ai fait ça. Bon, nous allons se poser devant l'épine dorsale et puis on verra ça la prochaine fois. Je crois pas que les autres dragons, il y a un de mes collègues qui l'a demandé. Sherwin voulait. Non, ça c'est le cas de fait. Fauchecor. Une écaille de dragon vierge, de toute magie. Ouais, ça j'ai pas. Daylan, il veut une lance. Et Tommy, bon, c'est pas. Il est un peu chiant. Un peu chiant. Donc bon. Je vais me débarrasser ici. Sanglier. Tout ça j'avais fait par contre. À l'entrée. Assassin imaginaire. Opale de feu. Épine dorsale du monde. À dormir, on va juste rentrer dedans pour voir comment c'est fait. Alors, touc. Grand, pas grand. Ouais, il y aura du taf. C'est loin d'être fini. Archicultiste, négligeable. Encore. Eh bien écoutez les gars, je vous laisse ici et puis je vous dis à une prochaine. Salut à tous.